Bonjour et bienvenue dans ce cinquième épisode de Arc Ragnarok modé. Aïe. Je viens de finir ma session de farm avec cette mantis et... Oh, je l'aime tellement. Et tous ceux qui me demanderont pourquoi... Darkos, comment tu fais pour farmer ton métal, toi? Comme ça, Billy. C'est comme ça qu'on fait. Et ton bois et tes branchages? Pareil, Billy. Oh, oh. J'ai joué. Alors, je sais pas ce qui vient de se passer. Il y a un million de petites araignées qui viennent de me sauter dessus. Et du coup, je sais pas ce que j'ai eu, mais genre... Voilà, elles m'ont donné plein de trucs. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Alpha Reaper, a huge potion. Je sais pas, j'ai eu plein de trucs. Je verrai avec vous dans l'épisode. Yeah, c'était trop flippant, genre il y avait eu des cris d'attaque de partout, des numéros de partout d'attaque, c'était super flippant. Voilà. Du coup, on a ce minerai, on peut faire beaucoup de choses, très cool. Perles de silice, tout ça. Alors on a eu beaucoup d'équipements grâce aux petites araignées, je vous en avais parlé. Et par contre, regardez. Je suis level 99, mais je peux prendre 4 levels. Voilà, je suis level 103, au calme. Voilà, du coup, level 103, qu'est-ce qu'on peut apprendre en un gramme? Ça s'arrête à quoi? Ah, level 100. Eternal Buzz Summoner, Dino Mind Flash Potion. Unlock Scratched Earth, 1 gramme. Ah bon? Vanilla, 1 gramme. Just eat it. Doesn't include genetics. D'accord, oula. Ça part en couille. Ah, ça c'est un autre mode que j'ai rajouté, le mode Stargate. Eternal Griffin Armor. Wyvern. Ça on verra après. Ça c'est pas ce qui nous intéresse pour le moment. Pour le moment, ce qui nous intéresse à nous, c'est... Ah, l'inventaire est trop chargé. Oh, petite ellipse. Désolé. Du coup... avec tout ça que nous avons, nous pouvons faire ça. Obsidian ciment. Alors, le ciment, on en a là, et l'obsidienne, on en a là. Il manque combien? Il manque encore du ciment. Alors, ce qu'on va faire, c'est de la pierre. Non, j'ai dit de la pierre, voilà. Et tac, on avait de la chitine kératine, non? Voilà, là ça fait plaisir. Ça fait bien plaisir. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Je veux bien me rapprocher ma puce, merci. Ah, c'est... Ah, je peux pas avoir accès au mortier pilon, attends si je fais ça. Ah ah, je suis trop fort. Donc... Du coup, de la pierre, on a dit, et de la chitine. Tu m'en fais combien? Tu m'en fais 100 et tu m'en fais 200. Allez, 200 pour la route. Oh, il pleut, quel dommage. Du coup, équipons-nous de certaines armures. 1003, elle est mieux. 700, c'est mieux. Ensuite, elle a fait combien? 400, c'est mieux. 1000, c'est mieux. Ça, c'est mieux. Ça, c'est mieux. On n'a pas de gants. Voilà, on n'a pas de gants. Donc, ça, c'est fait. Et on va poser tout ça dans les coffres, je pense. Web. Qu'est-ce que c'est? Upec, tranquillisant, pas jeune. Oh! C'est pété, ça peut endormir! Oh, c'est pété. Normalement, je peux me déplacer par moi-même. Voilà, je suis lent, mais je peux me déplacer. Tout va bien. Du coup, posons tout ça là-dedans. Ça, on va les... Tout ce qui est Genesis, on va poser dans... Enfin, tout ce qui est Anunnaki. Oh, Anunnaki. Éternel. Je vais y arriver, ne vous inquiétez pas. On va le poser là-dedans. Donc, comme transfert, tac, 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 tac,
Qu'est-ce qu'on avait? On avait plein d'autres choses. Ça, on va le poser. Ça, on va le poser. Ça aussi. On va mettre les armures aussi. Parce que mine de rien, ça coûte. Enfin, ça coûte rien du tout. Hein. C'est juste lourd. Hop, 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 hop. Voilà. Ainsi que ça, parce que bon. Anunnaki, je peux stocker. Enfin, il faut que j'arrête. Anunnaki, c'est un autre mode qui ressemble à lui. Donc, je vais sûrement faire l'erreur plus d'une fois. Du coup, alors, je vais mettre du minerai. Je vais encore allumer le feu. Voilà. Et tout ce qui est minerai. Bon, ça c'est un petit peu nul. Tout ce qui est minerai, on va le foutre là. Donc là, voilà, on a 5000 trucs comme ça. Et encore. On en a plus normalement. Et du coup, il nous manque que le ciment. Oh! Bonjour! Alors, je veux pas de castrer. Option, attaque votre cible passif. Je sais plus comment on cible passif, donc je vais faire comme ça. Passif. Pépito. Option. Passif. Toi, mon gars, je vais essayer de te dresser. Mais d'abord avec ça, parce que je suis pas trop fou non plus. Tu vas vite, dis-moi. Bien tenté. Bien tenté. Bien tenté, mais pas assez suffisant. Tu seras à moi. À moi. Ouh, ce coup-là a été bien joué. Mais je gagnerai. Je gagnerai, sois-en sûr. Sois-en sûr, je gagnerai. J'ai plus de munitions et je peux plus me déplacer. Et toi, tu peux plus passer. Tu peux toujours passer, ok. Ce qu'on va faire, c'est que je vais aller là, hop. Et tu vas gentiment oublier cette histoire, ok. Ok, il a oublié. Bon, j'ai gaspillé beaucoup de flèches. Gaspillé beaucoup de flèches, c'est pas grave. C'est pas grave. J'ai voulu l'avoir, je l'ai pas eu, c'est pas grave. C'était le temps que ça se fasse. Alors, combien on en a? On en a 50. Il nous en faut combien? Il nous en manque encore 10. Je vais vous faire une petite ellipse. Et pendant ce temps-là, je viens de remarquer, mais je vous ai pas montré le nom de notre nouvel ami. Vous l'avez sûrement vu en même temps que l'alpha, mais lui, je voulais pas présenter. C'est juste que j'étais en train de farmer et de crafter tout ça. Et en fait, il m'est tombé sur la gueule, il a commencé à m'attaquer, du coup, je l'ai bolasse. Et en fait, la seule arme qui était sous ma main, c'était l'arbalète. Donc du coup, j'ai tiré et en fait, il s'est endormi. Puis bon... Quitte à avoir un raptor endormi, autant le dresser. Du coup, ben voilà. Il a quelques niveaux. Bon, on va lui foutre en vie les niveaux. Comme ça, s'il y a quelque chose qui arrive en haut et qui commence à taper tout le monde, au moins il mourra pas du premier coup. Toi, est-ce que t'as pris des levels? T'en as pris un depuis. Je vais te mettre en stam. Dis-moi, t'as pas trop de nourriture? Si, t'as de la nourriture. Cette plume m'énerve. Est-ce que si je me mets là, ça compte? Rien ne compte comme une habitation. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Alors là, je suis abrité. C'est bizarre tout ça. C'est très bizarre, bref. Bon, le seul inconvénient voilà, de cette grotte, c'est que quand il va pleuvoir, on va entendre le bruit. Ça c'est pas ouf, mais bon, on peut pas l'éviter. L'apostrophe éviter, hein, parce que sinon c'est un peu évident. Ah, j'ai cru, j'ai tellement cru. Allez, j'espère qu'on va avoir assez de moyens pour se créer ce qu'on veut. Alors, j'espère aussi que ça peut se déplacer. Bon, ça peut se mettre quelque part, donc on va le foutre là-bas. Je sais pas où en fait où on va le foutre.
dans le doute, je vais la poser là. Elle est magnifique. Est-ce que... Ramasser. Oh, je vous aime tellement. Attribuer un code PIN, détruire... Ramasser. Oh, je vous aime. Je vous aime tellement, les mecs. Comme ça, on n'aura pas à les reproduire dès qu'on aura la base. Alors ça, c'est sympa. Ah, ben voilà, c'est ça qu'on veut. Colle, il faut du bois. Ça, il faut du cristal. Alors, il faut du coal, des lingots de métal et de la pierre. Et là, c'est quoi? C'est du diamant. Il faut de l'obsidienne et lingots de métal. Ah, on peut carrément crafter les lingots de métal. Bon, je pense pas que ce sera... Enfin, si, si, ce sera un peu utile, je pense. Non, mais... Non, mais... Voilà. Tac, j'en ai là-dedans. J'en ai 50. Parfait. Hop, je vais foutre ça là-dedans. Toi, il te reste de la pierre, Faritas? Que tu veux me dire que t'avais pris que 5000? Enfin, que 5000, je m'entends. Bah, du coup, on va en prendre un petit peu là. Voilà. Tac. Tac. Et du bois aussi, du bois. Alors, ça je sais que t'en as pris. Ça, je sais que t'as pris du bois. 400 de bois. Ah, c'est pas énorme, hein! C'est pas énorme, il faut te réveiller, hein! Franchement, j'ai cru qu'on avait été plus efficace que ça. Attention. Ah, ben voilà, du métal. Hop. Hop. Et hop. Et du cristal. Mais du parle de cellulite si ça peut servir. Il faut l'allumer, c'est ça? Ça se fait avec quoi? Gaz, gunpowder, spark powder to activate. Non, 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 la ressource. Très bien, très bien. Hop. Alors, Cocotte, t'avais récupéré beaucoup de silex. Hihi. Parfait. Tac. Du coup, on met ça là, on met ça là, on stoppe tout ça. Arrête. Hop. Tac. 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 Voilà. Je sais pas combien ça met de temps à tourner avec de la spark powder, mais bon. D'accord, alors ça fait directement avec du bois, ça fait du charcoal, ok. Du coup, on peut faire directement ça, ok. Alors qu'est-ce qu'il faut? Alors ça c'est du copper ore. Ah, ça crée des minerais de... D'accord, nickel, bah c'est parfait. Vous savez quoi, c'est parfait. Tac, 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 c'est parfait. Alors. Copper. Copper, copper, copper. Est-ce qu'on doit apprendre à faire des trucs copper copper shield. J'ai l'air stylé. Les copper plates. Ça se crée où, les copper plates? Parce qu'ils sont bien gentils, mais... Ah, y a pas. Non. Instinguish. Ça en crée combien par combien? Ça en crée 8 par 8? Ça doit en créer 4 par 4, mais comme il y en a deux qui fonctionnent... Oh là là, j'aime quand les mods sont bien faits comme ça. Là, c'est un très très bon épisode, je suis très content. Y a un petit bug au niveau de la lave, mais bon, c'est pas... à pas chipoter pour ça. Et du coup, ça l'écrit 8 par 8 aussi. Oh là 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 là. Oh, la rentabilité. La rentabilité, c'est un truc de ouf. Si on fait ça... Du coup, je suppose que ça en crée 4 par 4. On va en créer plein. Ça aussi, pendant qu'on y est. Ensuite, il va falloir créer... Il va falloir créer le truc où il faut des plates. Ah non, il faut du copper or. D'accord, il faut du copper or. 50 copper or. De la glace panel. Du ciment. Donc, ciment, on en a. Et du lingot de métal. Ça aussi, on en a. Donc ça, on va en créer... Fabriquer... je sais pas trop combien. Il nous en faut 30.
Ça nous en faut 50, donc 25. Là, c'est le dernier que ça crée. Bon. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17. 18. Voilà. On va faire un 19. Là, il nous en faut 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Je vais partir du principe que ça en crée 2 par 2. Oh, en plus, ça l'écrit en même temps. C'est vrai, ça l'écrit en même temps. Ça, c'est vachement cool. C'est sympa. Bon, on va pouvoir normalement faire ça. Déjà, on peut mettre cela. Voilà. Glass panel. 18, 17. 9. 20, 21, 22. Ah, j'ai pas assez de cristal. Elle en a. Elle en a du cristal, elle. Oui, elle a du cristal. Voilà qui fait plaisir. Voilà qui fait plaisir. Toi, parce que nous le voulons bien. Hop. Allez. Quatre. Ah bah nickel. Allez. On a 30, c'est exactement ce qu'il nous faut, le ciment on a déjà. Allez, hop, on va prendre le ciment, il nous en faut 30 je crois, aussi. Il nous en faut 30, oh là là, mais comme quoi tout se goupille, je fais pas exprès, hein, sérieusement. Non mais je veux pas extinguish, oh, extinguish. On va avoir plus de quoi? Plus de charcoal. Je suis sûr qu'on va avoir plus de charcoal. Alors attends. Bah du coup, toi tu sers plus à rien à la forge. Hein. Ah la forge elle ne sert mais strictement plus à rien. Si à faire du charbon. Mais bon. Charcoal. Ah bah nickel. Bah en fait non, elle sert vraiment à rien. 34. Vous savez quoi? Pendant ce temps-là, on va équiper notre chère petite d'une hache. J'ai mis la hache là-dedans. J'avais une hache. Je le sais que j'avais une hache. J'avais pas une autre hache? Genre une... Voilà. Parfait. Ce sera ta hache à toi, celle-là. Ce sera... C'est cadeau. Ça me fait plaisir. Alors, par contre, non. Voilà. On va passer par là, tac. Et on va aller récupérer du bois pour se créer du coup plus de charcoal et donc du coup plus de copper ore, donc minerai de cuivre, pour pouvoir déjà faire la workbench et qu'on puisse commencer à faire des choses sympathiques. Voilà, vous avez le droit à une petite session de farm de ma part. Voilà comment se passent mes farms, hein, donc voilà, ça va plutôt rapidement, hein, comme vous pouvez le voir. Du coup, j'ai repéré comment on repère la grotte, c'est que quand il y a un chemin qui monte, comme ça. D'ailleurs, c'est par là que j'ai passé pour atteindre mon coin de farm. Là, je sais pas si on va le voir, mais voilà, c'est tout là où j'ai farm, là où je vous ai fait des petites vidéos... Bon, je suis allé un peu plus loin quand même, mais parce que là, bon, j'ai tout pris. Mais enfin, vous voyez le délire. Quoi. Tac, et là, c'est direct l'entrée de la grotte. Hop. Aïe. Tac. Le bois. 7000 de bois, ça fait plaisir. Hop. Je t'en donne la moitié. Voire un peu plus de la moitié. Voilà. Et je laisse ça dans le coffre après. Comme ça, on est bien. Du coup, qu'est-ce que tu nous as fait de beau pendant que... 46, c'est bon ça. Voilà, ça c'est cool.
Là, combien tu nous en fais? 2 par 2? Ouais, 2 par 2. À la fin de ça, les amis, on aura notre workbench. Et ça, ce sera cool. Ce sera extrêmement cool. Et ensuite, j'arrêterai la session de tournage. Je retourne voir les amis sur le Discord. C'est dommage que ce soit buggé, ça. Parce que c'est bien sympathique. En tout cas, moi, le steampunk, j'aime ça. Comme vous pouvez le voir avec les lunettes steampunk sur mon mofo. Et ma première bannière sur la chaîne était complètement steampunk. Oui, enfin, alléluia. Oh là là, regardez ça. Regardez ça comme elle est belle. On va la poser là. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Ça me stresse qu'il n'y ait rien là. Mais elle est magnifique. Ah ben là, ça fait plaisir. Alors, l'incubateur d'œufs, on voit que c'est avec des copper plates. Décor, fabrication, forge. Raffinette, soul, bulk, power, spark, powder. Copper forge. Est-ce que c'est pour faire des plates? Des plates. Alors, copper plate. Copper steam, icebox. Oh, on aura tout steampunk, ça va être magnifique. Industrial Copper Grinder. Hop, alors tout ce qu'il faut. Ah, c'est peut-être ça. Electricity Workstation. Non, ça c'est un. Non, non. Du coup, bah, je pense que ça va être dans la forge. Attends, on a plein de trucs. Le marteau. Ah, Flame the Forge. D'accord. Hauteur flamme de forge, ok, ok, du cuir aussi, d'accord, oh là 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 là. Ah, copper, non, copper c'est tout ce qui est en copper, statue, c'est bien ameublement, voilà, donc on aura structure, ouais on a déjà fait, décor, stockage, copper storage, et ben vous savez quoi, prochain objectif, Christmas. Prochain objectif, ça va être... Alors attendez, tac tac tac, structure, forge... Ça va être ça, donc 200 copper, du pétrole, alors du pétrole je crois qu'on en a, avec tous les trilobites qu'on a tués. Du ciment ce sera à faire, des lingots de métal ce sera pas un problème. Et normalement, si je regarde là-dedans... ouais, on en a. Et j'ai tué aussi, comme vous avez pu le voir, du tuzotetis, hein, on a du pétrole encore, des perles noires, des tentacules, des requins, tout le tralala. Du coup, ça c'est vachement cool. Et ben, je vais finir sur quelques mots, parce que là on va plus faire trop de gameplay. Pour cet épisode, on va le finir tranquillement. Oh, elle est magnifique. Du coup. Je tenais à vous remercier d'être là sur la série. Alors on est vraiment peu nombreux comparé aux séries Arc d'habitude, mais je vais laisser le temps aux gens de revenir. Vraiment n'hésitez pas à m'envoyer des commentaires. Tous les commentaires je les lis, ça me fait extrêmement plaisir et ça me donne envie de tourner. Et quelque chose que je voulais vous dire aussi, ça me fait super plaisir d'avoir hâte de tourner. Avant, quand j'ai commencé à plus trop faire de vidéos Arc, vraiment j'en avais marre. Je me suis dit, oh non, faut tourner. Ça va être pénible, je sais pas quoi faire, il me fait un sujet. Là, je m'en fiche, là, je fais tout comme au début, je fais tout au feeling. Et c'est vachement cool. Et c'est ça qui me fait plaisir, quoi. Donc, en plus, je pense que ça se ressent dans la vidéo. Je pense ne pas laisser trop de blanc dans les vidéos. Donc c'est plutôt cool, voilà. En plus, on va avoir une magnifique base steampunk dans un endroit absolument magnifique. Et tout de suite, je vais m'empresser de faire les petites miniatures, voilà. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode. Merci à tous et au revoir.